les amis. Alors, aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, on va ouvrir deux slimes. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo parce que je voulais absolument la faire. Donc, suivez-moi, c'est parti. Alors maintenant, on va ouvrir en premier la petite boule avec des paillettes. Donc vraiment, en fait, c'est vert avec des paillettes et c'est vraiment trop beau. Donc je vais l'ouvrir maintenant. Du coup, là, c'est un peu compliqué à ouvrir, mais je vais arriver. Voilà, c'est bon, j'arrive. Oh, c'est trop bien. Il casse un peu, mais bon, c'est pas très grave. Il est... En fait, faut bien faire comme ça pour les tirer un peu lentement. Il est super... Vraiment, en plus c'est super joli. Il y a des rikiki paillettes. Waouh, c'est trop beau. En plus c'est un peu un vert bleu. Enfin c'est trop joli. Donc là vraiment pour ce slime, il est super. Mais il se casse un peu, mais bon c'est pas grave, c'est quand même bien. Du coup il est super quand même. Donc je vais le ranger et on va tout de suite passer au bleu. Donc là on va tout de suite passer au bleu. Donc je pense qu'il va être vraiment trop génial. Donc apparemment c'est un fluffy. J'adore les slimes fluffy. C'est un fluffy petit. Donc il a l'air super vraiment. Donc, je vais le déballer tout de suite. Mais pour moi si c'est vraiment un fluffy, je serais vraiment super contente. Donc là je vais le déballer. Donc là il y a un petit truc là qu'on peut décoller. Donc c'est une petite étiquette. Je sais pas trop ce qui est marqué dessus, mais voilà, c'est pas très intéressant. Donc on passe tout de suite à l'ouverture. Oula, ah ok, d'accord. Il y a un papier. Vraiment, j'ai bien fait leur truc. Hein. J'espère que ça va me plaire. Parce que moi, vraiment, les slimes fluffy, c'est super. En plus, j'en ai jamais fait. Une fois, j'avais essayé d'en faire, mais... Ça avait pas marché, c'était tout liquide. Du coup, là, on va l'ouvrir. Donc, ça se présente comme ça. Il y a juste. Là, ça fait comme des trucs qui débordent. Donc, bien sûr, c'est pas du vrai slime. Du coup, on va ouvrir ça tout de suite. Oula! Regardez-moi au-dessus. C'est assez bizarre. J'espère que celui-là, il va pas trop coller. Là, il colle, hein, le truc d'au-dessus. J'espère qu'il va pas coller. Du coup, je le prends. Du coup, il colle un peu. Il colle! Comment ça se fait? Bon, celui-là est un petit peu bizarre, pour dire. Bon, je pense. Bah, il est bien. Il s'étire. C'est bien. Mais par contre, il colle un peu quand même. Donc, je vais essayer de faire des bulles avec. Je vais essayer. Après, c'est pas tous les slimes qu'on arrive à faire des bulles parce qu'il y a des slimes. De bonne qualité, de mauvaise qualité. Du coup, je vais... Oula, en fait, ça prend avec. Du coup, je m'y colle un peu. Donc, comme j'ai dit, je vais essayer de faire une bulle. J'arrive pas. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand je le prends comme ça, il prend avec parce qu'il colle pas assez à la table. Donc, du coup, je vais essayer de... d'en prendre un petit peu plus, voilà. Donc je vais essayer. Donc là je les tire. Non, j'arrive pas, c'est pas possible. Vraiment ce slime il est super bien. J'essaie de les tirer avec mes mains. Ça va. Il sent bon. Il sent un peu la frite je trouve. Donc là du coup, regardez, il colle à ma table en vrai. C'est assez... Voilà quoi. Donc vraiment ce slime là, il est super. Du coup là je vais réunir tous mes slimes que j'ai eu. Ici, avec celui-ci. Je vais tous les réunir parce qu'ils sont juste dans mon armoire du coup. Voilà. Donc voilà, là je les ai tous sortis. Donc il y en a 14. Là je vais donner des notes sur 10. Donc c'est parti. Alors on va commencer par le slime licorne où à l'intérieur il y a une licorne, une figurine licorne à l'intérieur. Donc celui-là,
Franchement, je l'aime pas trop parce que, regardez, tellement il est un petit peu dur, il rebondit. Donc il est un peu dur, il rebondit. Après, c'est pas à cause de la figurine. Parce que regardez, j'ai enlevé la figurine. Tac. Regardez, il s'étire pas du tout. En plus, il sent bon. C'est juste le truc qui vient dans ce slime. Et aussi, il est super joli. Pouf, voilà, ce slime, je l'aime pas trop. Après, il est bien, mais il sent un peu la... En fait, il sent la colle Cléopâtre. Donc voilà, je vais ranger avec la petite licorne. Vraiment, la petite licorne, elle est super belle. C'est une figurine violette normale. Voilà, du coup, j'aime bien quand ça fait, c'est drôle. Oh là là. Du coup, on va ranger ça tout de suite. Donc ce slime là, je vais lui mettre 2 sur 10. Donc, non, 3 sur 10. Il sent bon, je trouve. Il y a une figurine à l'intérieur, donc c'est plutôt original. Et puis, il y a une très belle couleur. Du coup, ça mérite 3 sur 10. Donc voilà, je vais bien le ranger parce que vraiment, il est très compliqué, comme je vous le disais tout à l'heure, de le ranger. Ensuite, on va passer au slime fluo. Donc, c'est parti. Donc, ce slime-là, vraiment, ça change beaucoup du slime licorne. Hein. Pour le coup, il s'étire, mais super bien. Du coup, vraiment, lui, il mérite un 9 sur 10. Parce que la couleur, voilà, c'est beau, mais ça peut faire un petit peu mieux. Voilà. Du coup, maintenant, je vais tester un crunchy encore bleu. Donc voilà, je vais le tester. Le 9 sur 10. Lui, il est plus dur et il s'étire moins. Du coup, lui, je pense que je vais mettre 6 sur 10 à celui-là. Vraiment, 6 sur 10. C'est assez pour celui-là. Du coup, là, je vais pas mettre toutes les notes des crunchy parce que vraiment, les crunchy pour moi, ils valent 10 sur 10 mettrais parce que vraiment, ils sont super bien. Il y en a beaucoup et il y en a vraiment quelques-uns qui sont pas très bien. Du coup, je vais les ranger. On va passer au slime Ariel. Donc, c'est Ariel, la petite sirène. Donc, il est vert, tout simplement. Donc, voilà. Il sent trop bon, je trouve. Vraiment, voilà. Donc, celui-là, il s'étire pas. Enfin, si, il s'étire un petit peu, mais je sais pas pourquoi ça l'empêche de s'étirer. Mais sinon, il est super. Voilà, donc, c'est un slime vert, tout simple. Donc, voilà, il est vraiment trop bien. Et, voilà, donc, celui-là, je vais lui mettre... 4 sur 10. Parce que c'est pas le meilleur slime du monde. Si vous aurez vraiment entendu la scène de drôle. Donc là, du coup, ça rend encore un crunchy. J'ai oublié d'en mettre. Lui, il est petit, mais il est bien. Il a une belle couleur. Il mérite un beau 4. Je vais le mettre un beau 4. Du coup, voilà. Ensuite, il y aura le même, mais en vert, avec des petites paillettes. Du coup, voilà. Donc, lui, il est beaucoup mieux que le rose. Il est beaucoup mieux. Lui, il se casse. Mais il est beaucoup mieux. Parce que vraiment, il est plus mou, on va dire. Il est plus mou dans sa texture. C'est mieux. Donc là, voilà, il s'étire, il y a des petites paillettes. Donc il est beaucoup mieux. Du coup, là, je vais mettre peut-être, 7 sur 10. Donc pour les mettre, en fait, je les casse en deux et ensuite, je les mets dans le tube parce que sinon, ça va pas le faire. Suivant. Bon, on va passer au suivant. Donc lui, c'est c'est un Jiggly. Donc là, je vais le sortir. Du coup, vraiment, il est trop bien ce slime. Pour le coup, c'est
super pour s'amuser. Bon, il s'étire pas. La couleur, elle est, c'est du vert, quoi. Donc voilà. Du coup, je vais mettre 5 sur 10. Ensuite, on a un dernier. Donc c'est un bleu. Donc il est super beau. Donc lui, il est bien. Donc comme j'ai testé tout à l'heure, il colle un petit peu, mais c'est pas grave. Du coup, c'est lui, je peux lui mettre un petit, peut-être 6 sur 10, celui-là. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi encore une fois si je t'ai dit dans les commentaires si vous voulez que je teste encore des slimes dont la partie aura ces slimes-là. Donc à la prochaine vidéo, salut.